Eh bien, yo tout le monde, très heureux de vous retrouver sur Star Citizen, ça fait extrêmement plaisir de revenir sur ce jeu. N'oubliez pas les amis, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, je parle surtout pour les nouveaux, je vous explique rapidement, j'ai fait énormément de contenu pour les nouveaux joueurs, ou même pour les anciens, pour les aider un peu dans n'importe quel aspect du jeu. Donc si vous voulez m'aider et me soutenir pour continuer ces vidéos, il n'y a qu'un seul truc à faire, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, ça me montrera que vous êtes sympa avec moi par rapport à ces vidéos en tout cas. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et du coup, par la même occasion, les amis, n'oubliez pas que dans la description, il y a un Discord communautaire où on essaie de créer une communauté multigaming autour de plusieurs jeux. Donc même dans le futur, il y aura des channels où vous pourrez proposer des idées de vidéos et des idées de jeux vidéo que je ferai en vidéo et en live. Si ça vous intéresse, bah, le Discord est dans la description, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Par la même occasion, là, il y a le Discord de la DG Team Corporation, donc c'est un Discord réservé à Star Citizen. Tous ceux qui veulent rentrer dans une corpo française qui a l'intention de durer et a l'intention de faire des belles choses dans le verse, du jeu d'équipe et d'être des chasseurs, du commerce, du minage, du salvage, enfin on est sur vraiment tous les aspects du jeu. Donc si ça vous intéresse, bah, le Discord il est en description. Les nouveaux comme les anciens ce sont les bienvenus, solo comme en groupe, vous êtes aussi les bienvenus. Ce qu'on demande aux gens c'est le respect et des gens sérieux, bien entendu, pour l'avenir de Star Citizen. Par la même occasion, je vous le rappelle au cas où, il y a mon Tipeee et sur la chaîne YouTube maintenant, ça va faire quelques mois, on a débloqué la fonctionnalité de pouvoir rejoindre, être membre de la chaîne YouTube. Donc ça vous donne l'avantage à pas mal de choses, donc à des vidéos, à du contenu en plus, à des teasers, des trucs dans le genre. Donc si ça vous intéresse, c'est un coup de pouce en plus, bien entendu, c'est moyennement financement, donc c'est que ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui le feront. En tout cas, un grand merci à vous. Et n'oubliez pas qu'on fait souvent des petits lives sur YouTube. Donc, les amis, on se retrouve sur Star Citizen cette fois-ci à la 3.24, donc une 3.24 qui nous donne du fil à retordre. Pourquoi du fil à retordre? Parce que c'est pas mal buggé. Donc, moi, je vous conseille, les amis, de vous équiper comme ceci, donc multi-tool avec un tractor beam, des trucs pour vous soigner, un pistolet pour vous soigner, des munitions, bien entendu, qui sont au niveau de l'armure, et là des boissons. Donc ça c'est des trucs qu'on peut trouver aussi une game, un grand sac à dos. Donc moi je vous conseille vraiment un grand sac à dos pour pouvoir mettre un maximum de choses. C'est pour ça que j'ai pris un grand torse et une grande armure, un pyro multitool, d'accord, donc c'est la même chose que le petit mais en un seul, et une arme pour commencer. Donc à savoir que par exemple celui-là que vous trouverez dans l'entrepôt avec les boissons, autrement le reste vous pouvez trouver chez l'armurerie l'armée lambda. Donc les amis, on pourrait très bien aller dans notre hangar personnel. Mais malheureusement, dans l'hangar personnel, dans mon hangar personnel, je ne peux pas sortir le C2. Parce que moi, j'ai bail au maximum un freelancer max. Donc c'est pas très grand. Et du coup, je peux sortir quasiment rien de très gros dans mon hangar. Du coup, on va sortir le C2 que j'ai déjà préparé. Par la même occasion, j'ai préparé aussi sur appel des. Donc là, du coup, je vais dans mon hangar. J'ai préparé quelques petits trucs sur appel, des stocks, on va dire. Pourquoi des stocks? Alors là, je sais pas, c'est le grand hangar. Voilà, tac. Pourquoi j'ai préparé des stocks sur appel? Parce que vous allez voir quand on va y aller, il n'y a pas beaucoup de stocks. Le maximum qu'il peut y avoir, c'est 100 SCU, donc c'est vraiment très peu. Par exemple, pour un C2, c'est vraiment minime, microscopique. Du coup, j'ai dû le faire pas mal de fois en avance. C'est pour ça aussi que la vidéo, elle a mis du temps à sortir. Moi, je préférais faire ça proprement. On m'a dit de voilà, même si tu fais 100, 200 SCU, c'est pas très grave. Mais je préfère le faire avec le max SCU possible pour vous montrer la difficulté maintenant du cargo. Donc c'est voilà, faites attention. Normalement, le mieux c'est d'y aller qu'une escorte, mais là déjà il est un petit peu tard et puis je le fais tout seul pour éviter que je sois trop embêté, que je puisse vous expliquer vraiment concrètement la 3.24. Tout simplement parce que la 3.24 elle fait beaucoup de changements concernant en tout cas le cargo des vaisseaux. Prochainement, je ferai certainement un live sur la 3.24, ce qu'il y aura
ce qu'il y a de bon et ce qu'il n'y a pas de bon, on va dire, si je peux me permettre de parler comme ça. C'est pas une mauvaise chose que je vous le dise maintenant comme ça. Vous saurez que dans quelques jours, le 3 ou 4, il y aura une vidéo consacrée à la 3.24. Et écoutez les amis, on se retrouve à Rappel dès que j'atterris pour la suite de la vidéo. Donc les amis, nous voici à Rappel. Donc je me suis viré avec le C2 tranquillement. Donc je vais pas trop avancer pour me parler. Mais en règle générale, en ce moment, vous êtes très très calme. Très calme à Rappel parce que c'est ultra compliqué de pouvoir survivre. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de jouer en solo à Star Citizen. C'est pour ça aussi que je vous dis les amis, les corpos c'est très important dans ce jeu. Donc même si vous rejoignez pas la DG Team, choisissez-vous une corpo et jouez avec des joueurs. Parce que faire ça en solo c'est vraiment très 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 risqué. D'accord ? Donc le risque c'est quoi ? C'est de perdre tout simplement vos AUC et votre cargaison. Voilà, tout simplement. Donc à savoir que là pour l'instant c'est pas non plus très punitif, mais dans le futur ça sera très 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 punitif. Donc les amis, donc voilà, donc on voit très bien que pour acheter des SCU, donc là on voit très bien 65, le max c'est 100, donc c'est très compliqué, donc faut revenir à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, moi auparavant j'ai fait un petit peu de cargaison, donc on n'aura pas beaucoup de temps à attendre. Hop, donc là on peut choisir aussi les caisses, donc moi je choisis des 32. Forcément, hop là, on a du coup on a 32, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 24, 32. Donc là, on voit qu'on a une de 1, une de 2, 2 de 4, une de 8, 2 de 16, 6 de 24 et 15 de 32. Donc à savoir que j'ai peut-être fait de la merde parce que je sais pas si je pourrais charger autant de 32 SCU dans le vaisseau. Donc maintenant que vous avez fait ça, tout simplement, les amis, donc là, il va y avoir un très très grand accéléré à ce moment là dès que les caisses sont sorties, je commence à charger le vaisseau et c'est là où forcément ça va vous demander un petit accéléré des familles comme on les aime, mais pour le moment faut d'abord qu'ils veulent bien se mettre parce que oui parfois ça bug. Le problème, c'est que c'est souvent ça. Donc, écoutez les amis, je fais une petite pause, une petite ellipse, et je reviens quand il y aura l'accéléré. Les amis, donc je vous récupère malheureusement après être un petit peu déçu
Pourquoi? Parce que, bon, j'ai eu de la chance, j'étais restock, il avait 77. Et c'est eux qui avaient Ripop, et je voulais pas montrer parce que c'est les deux casse-là, du coup, et puis celle-là. Mais, bah, je suis déçu, à part si quelqu'un a la solution. Mais en gros, je n'arrive pas à charger les caisses. J'en arrive pas, enfin, c'est que ça veut pas, tout simplement, j'ai essayé de les diviser. Parce qu'il y en a certaines qui étaient stockées entre elles. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça au moins vous le saurez et vous évitera de faire une connerie. Voilà, tout simplement. Donc, on va attendre que le dépôt, l'entrepôt, remonte. Mais du coup, donc là vous voyez, vous en avez une. Je la mets et à chaque fois ça me met ascenseur obstrué, les éléments suivants bloquent l'ascenseur, composite matériaux recyclés. Donc, alors, peut-être je me dis que c'est un bug. Donc, avant que je parte, je vais essayer de déco du serveur pour voir si c'est ça. Après, j'ai essayé de diviser les caisses. Ça n'a pas fonctionné. Là, comme vous voyez, on a 32 SCU dessus. On essaie d'en mettre plus. Ça fonctionne pas. Mais il y en a certaines qui vont monter. Par exemple, si je prends celle-ci, voilà, c'est monté. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et quand du coup je monte les hangars, le truc, il n'y a rien du tout. Donc, les amis, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'abord la pompe, parce que ça se trouve, c'est un bug visuel, donc je vais attendre de. Pour rabaisser le cargo, pour éviter que je me le fasse baiser au cas où que. Comme je me dis, ce sera un bug visuel. Hop, on retourne dessus, on le baisse. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me déco une nouvelle fois, parce que j'ai déjà changé de serveur une fois parce que le c'était buggé. Donc, je vais me déco. Je vais aller dans mon lit. Et ce que je fais, c'est que je vous retrouve sur le prochain serveur tout de suite. Donc, les amis, nous revoici. Waouh, j'ai relancé l'enregistrement. Le jeu ou le PC, je sais pas trop, n'a pas cliqué. Hop, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve au niveau des hangars. Donc là, bah, le but du coup, ça va être de vider les caisses. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les envoyer là-bas. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire un aller-retour. Là, ça a quelques petits lags, j'ai l'impression. Je sais pas si vous, sur la vidéo, ça vous fera la même chose. Si vous faites la même chose, vous pourrez me le dire dans les commentaires, les amis. Si vous avez d'autres idées de vidéos, pardon, concernant le gameplay de Star Citizen, n'hésitez pas parce que j'avoue que les amis, à part vous faire une refonte un peu de chaque truc à chaque patch, ça fait beaucoup de vidéos qui ne changent pas de d'habitude. Donc c'est surtout pour vous. Si ça peut vous apporter quelque chose, qu'il y a des choses qui vous intéressent. Là, par exemple, je sais que j'ai une vidéo pour modifier les vaisseaux qui arrivent, donc qui est en préparation. Si ça vous intéresse, je vous la posterai parce qu'il y a pas mal de vidéos aussi que je jette à la porte, à la poubelle parce que elle ne me plaît pas. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez les amis, je vous la posterai. Ça peut toujours être intéressant. Pour les débutants, c'est vrai que j'avais pas pensé au départ, mais je peux le faire. Tandis que nous, on décharge, et du coup, ce qu'on fait les amis, c'est que je reviens vous-même pour accélérer du déchargement et du chargement du Elevator. Et on se dit à tout de suite.
excusez-moi les amis, j'avais oublié de rallumer mon micro. Donc du coup, une fois tout chargé, donc comme vous avez pu voir, si je suis là, c'est que ça n'a pas fonctionné pour les 32 SCU. Donc je vous conseille de ne pas prendre de 32 SCU au cas où, voilà, pour éviter que vous perdez de l'argent, comme je viens de faire, j'ai perdu de l'argent. Du coup, on va attendre... D'accord, en fait, apparemment, il y a un truc qui bloque. Mais où ça, c'est quoi qui bloque, là? Y'a rien qui bloque, hein. Tu es mis sur des grilles, donc je ne comprends pas. Merde. Tiens, des cas celle-là. S'il y a bloc. Ce qui m'étonnerait fort, autrement, ils n'ont pas mis une grille. On va mettre là, et puis on va voir ce que ça donne. En espérant que ça fonctionne, parce que c'est vrai que là, ça a l'air d'être pas mal bugué les... le commerce. Donc on va le descendre. Mais donc au moins, comme ça les amis, vous voyez que c'est déjà énormément plus compliqué que faire du commerce qu'avant. Déjà que les pauvres commerçants avant, ils étaient pas garnis avec tous les pirates qu'il y avait. Bah maintenant c'est pire. Tac. J'aimerais bien voir où on peut trouver des caisses. Cargaison marchandises, ça c'est qu'est-ce que j'avais pris un rappel là. Ok, elles sont là. Donc écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller direction le TDD, enfin l'admin de leur ville, et on se trouve directement là-bas. Donc, heureux les amis, on se retrouve devant le panneau de contrôle. Du coup. Oui, il y a un problème. Il y a un problème parce que j'aurais peut-être dû du coup le laisser dans le C2. Oh non. C'est une blague. Je vous en supplie, dites-moi que c'est une blague. Bon. Je vais recharger ces deux, les amis. Je reviens tout de suite. L'équipe. Donc, on se retrouve du coup de nouveau à leur ville. Donc, j'espère que là, ça va fonctionner. Ça m'embêterait énormément parce que je ne saurais pas comment ça veut dire faut faire. Du coup, le C2, il est là. Et du coup, on voit bien les composites. Donc, le max, on met tout. Ça fait 3 millions 6. Donc, ça me rembourse un peu plus. Parce qu'on le vend, donc même pas on gagne 100 SCU, donc la rentabilité du commerce est totalement baisée les amis. On gagne à peine 100 SCU par caisse, malheureusement. Donc ça veut dire que le commerce, malheureusement, ne rapportera plus grand chose, et vous prendrez énormément de risques. D'où aussi... Ah ouais, non. Ah oui. D'accord, transférer vers le pont de chargement requis. Mais il se trouve où ce pont de chargement requis? Je vais dans mon hangar et on se retrouve là-bas. Les amis, du coup, parce que ce n'est pas fini le tuto, il vient juste de commencer. Super! Non, les amis, écoutez, on se retrouve directement là-bas. Oh, les amis, j'ai oublié de vous récupérer. Mais. Du coup, je venais de mettre les. Je venais de mettre les caisses à l'intérieur du. Je viens de mettre les caisses à l'intérieur de l'entrepôt. Tac. Hop, je vais juste aller voir si elles y sont toujours. Ou si elles ont été vendues. J'espère qu'elles ont. Elles ont été vendues, apparemment. Mais alors, pourquoi j'ai que. Que 600 000, il y a un bug. Ce que je vais faire, je vais quand même aller voir directement au shop. Et si c'est on s'est fait douiller, et ben je vous déconseille fortement de faire du commerce pour le moment. Donc, on se trouve là-bas, les amis. Bon,
Les amis, on se retrouve du coup ici de nouveau. Donc je vais voir si... du coup, j'ai pas l'impression, stockage général. Donc apparemment... Transférer vers le point de chargement requis. J'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire, les amis. Je peux pas vous mentir que... Ils sont plus dans ma... Dans mon truc de fret, donc c'est assez bizarre. Je vais retourner voir, du coup. Je vous reviens vers vous dès que j'ai vraiment trouvé. Bon, les amis, on se retrouve pour cette fin de vidéo, malheureusement. Donc on m'a confirmé que c'était bien dans le fret, qu'il fallait mettre les caisses. Malheureusement, je pense que je suis tombé sur un serveur qui bug. Ou alors, c'est tout simplement un bug. Donc, un peu dégoûté parce que, du coup, je me retrouve cul nu, hein, vraiment, c'est le cas de le dire, hein, 600 000 balles. Bon, après, je m'inquiète pas trop de ça, je sais que j'arriverai à m'en faire un petit peu de poignons quand le jeu me hypera un peu plus. À l'heure actuelle, le jeu, je kiffe, mais j'ai fait énormément le tour. Donc, c'est pour ça que vous voyez aussi très peu de vidéos en ce moment. Enfin, il y a plus de diversité, on se diversifie plus sur le jeu. Dans sur d'autres jeux, simplement parce que Star Citizen à l'heure actuelle, le jeu avec la 3.24, elle est extrêmement buggée. La preuve encore en est que là, je viens de me faire baiser quasiment 11 millions et des brouettes. Parce que les caisses de SCU ne fonctionnent pas, parce que si, c'est ça. Bref, il y a eu. Il y a des bugs. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait un stand-by en termes. Je continue à faire des vidéos, je continue à en faire des vidéos sur ce jeu. Mais on va dire que en ce moment, il m'a mis un coup de massue sur la tronche. Rien que pour ça, parce que malgré tout, même si les SCU, j'en ai rien à foutre, ça me sert quand même pour mes vidéos ou même les events pour la corporation. Donc ça me fait un peu chier de devoir refarm à chaque fois. Surtout que là, j'ai vu les prix. C'est 13 900 la revente et à l'achat 13 800. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, écoutez les amis, j'espère que vous aurez moins de bugs que moi. Mais en tout cas, si je pourrais vous donner un conseil, c'est pas de faire pour le moment du commerce sur Star Citizen. C'est très 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 buggé. Forcément, c'est la mise à jour du fret, donc du cargo, du commerce. Donc moi, je serai vous les amis, je ferai vraiment pas de commerce pour le moment. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même kiffé quelque chose que j'ai pu vous apprendre sur cette vidéo. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment les amis. Voilà, ça vous coûte vraiment rien et ça me soutient énormément. Dites-vous que c'est votre bonne action de la journée. Et ça fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, très prochainement. Tchuss tout le monde.